Monsieur Bokhalfaye ici, bonjour. Bonjour madame. Alors pour les renouvelables, on amorce la phase de réalisation et d'exploitation avec le projet de câble sous-marin Alger-Naples pour l'exportation de l'électricité via les renouvelables. Ben, je pense que on a repris ce dossier-là qui était déjà présent il y a quelques années. Donc le président l'a mis sur la table au mois de mai passé et puis donc encore il y a deux jours avec des discussions avec les Italiens. Et il s'avère que donc ce projet pourrait être aussi une autre opportunité et une nouvelle manière d'alimenter l'Europe en dehors du réseau conventionnel, c'est-à-dire celui du gaz naturel. C'est une excellente opportunité pour alimenter l'Europe et rester leader incontournable dans le domaine énergétique, puisque nous savons que nos potentialités dans ce domaine, dans le domaine des renouvelables, est inestimable. Tout à fait, madame, tout à fait. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que de vouloir continuer à rester leader, parce que je pense que depuis très longtemps, l'Algérie étant un pays connu dans le domaine de l'énergie conventionnelle, donc il est tout à fait temps, et je dirais même urgent qu'elle fasse cette transition énergétique et d'aller vers plus d'énergie renouvelable dans ce domaine-là. Donc passer du gaz naturel aux énergies renouvelables semble être la démarche la plus efficiente que le pays peut entamer rapidement. Alors une opportunité donc aux entreprises algériennes de s'adapter et de se mettre à niveau pour accélérer ce processus de réalisation et d'exploitation des renouvelables. Monsieur Bokhalfaye ici. C'est une opportunité pour le pays, c'est une opportunité pour les entreprises. 20 actuellement. C'est une opportunité aussi pour la création de postes d'emploi, c'est une opportunité pour localiser des industries nouvelles. Et donc ça ne peut être que vraiment très bénéfique pour le pays, pour l'accroissement, donc pour la croissance, pour les exportations, et aussi je pense surtout de sortir un peu de la rente qui nous fait énormément du mal. Alors sortir de la rente, exploiter les énergies renouvelables, les potentialités sont éminemment importantes aujourd'hui. Il faut tout explorer sans exception, c'est-à-dire on parle aujourd'hui du solaire, on parle du photovoltaïque, on parle également d'autres, par exemple l'éolien, oui. Voilà. Oui, il faut tout exploiter. Il y a quand même des potentialités connues déjà. L'hydrogène donc, aussi vert. Voilà, il y a des potentialités qui ont été déjà analysées. Donc il y a énormément de possibilités en termes donc d'énergie renouvelable, quand vous venez si bien de le citer. Et puis il faut quand même aussi regarder ce qui est aujourd'hui demandé par notre voisin le plus riche, qui est donc l'Union européenne, et donc d'aller graduellement vers l'utilisation de l'hydrogène vert, dont les besoins sont importants, donc à peu près autour de 10 millions de tonnes par année en 2030, et dans lequel donc l'Europe va être un des gros consommateurs, et l'Afrique du Nord, et principalement l'Algérie, est un des pays candidats pour alimenter l'Europe avec de l'hydrogène vert, qui pourrait être produit localement, transformé ou bien exporté via des pipelines adaptés. Mais comment les entreprises algériennes pourraient aujourd'hui s'adapter à cette opportunité de telle sorte à décrocher des marchés importants par rapport à la réalisation de ce câble souterrain et les potentialités d'exportation vers l'Europe? Comment? Puisque nous savons qu'aujourd'hui il y a une vingtaine, d'autres pourraient également émerger dans ce domaine-là, selon vous, par rapport aux opportunités qui s'offrent aujourd'hui, monsieur Bokhalfaye ici. On peut reprendre l'exemple du Solar Mill, de l'appel d'offres, dans lequel donc, il y a quand même énormément d'investisseurs qui se placent et qui aussi veulent ramener dans leur bagage des projets industriels. Donc maintenant, si on dit que l'on va faire 1000 MW par année pendant 15 ans, donc ça donne de la visibilité. À horizon 2035. Voilà. Et maintenant, si encore on parle que pour la production d'hydrogène vert, il est pratiquement nécessaire de multiplier par 3 cette capacité, vous pouvez imaginer le potentiel pour les entreprises pour pouvoir de localiser localement, en Algérie plutôt, certaines industries comme celle de la fabrication dans le domaine des panneaux solaires ou bien dans le domaine de l'éolien.
Mais déjà, on fixe les objectifs et les orientations et bien sûr les dates, puisqu'on parle du solaire 1000 MW, on parle des premiers kilowattheures photovoltaïques qui seront réalisés à la fin de l'année 2023. Tout doit fonctionner en même temps. Tout doit fonctionner en même temps, mais aussi tout doit être affiché et surtout aussi doit être... on doit aussi alimenter l'ensemble des investisseurs avec des informations fiables et surtout avec des dates. Aujourd'hui, donc le Solar 1000 qui a été donc lancé fin décembre, ouvert avec le cahier des charges au mois de février, une première date de remise des dépôts des offres, c'était à la fin du mois d'avril. Ensuite, ça a été le 15 juin passé. Mais à ce jour, une nouvelle date n'a pas encore été communiquée. Il y a une prorogation de délai. Et ça, donc aussi. Ça a été annoncé par Shams. Voilà, et ça. Sans nouvelle date, il me semble que c'est quand même difficile de continuer à donner de la visibilité aux investisseurs pour qu'ils puissent encore attendre. Il faut absolument. Que les aspects, surtout principalement liés au financement, soient rapidement réglés, puisque ça semble que ce soit le point d'achoppement sur ce dossier-là. Alors, mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, avec bien sûr toutes les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour accélérer le processus d'investissement, qu'il soit national ou étranger, via bien sûr le code des investissements qui vient d'être adopté au niveau du Sénat, donc bientôt promulgué dans le journal officiel, est-ce que ceci va offrir aussi des opportunités, puisque dans le code des investissements, on parle également pour la partie financement de nouvelles dispositions qui seront prises par les banques. Monsieur Boukhal Fayessi, ceci va accélérer le processus puisqu'on sait que le projet Solar 1000 va créer dans un premier temps l'équivalent de 5 000 emplois directs. Tout à fait, et nous attendons... J'ai failli dire 50 000, c'est 5 000. C'est 5 000. Nous attendons donc impatiemment donc la promulgation de cette loi pour... aussi faire la promotion de la destination Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire 15 000 ou bien le triple d'ici 2035 ou bien 2040 si on n'a pas cette orientation d'industrie que l'on va pouvoir localiser en Algérie. Donc nous attendons avec impatience et aussi l'ensemble des investisseurs attendent cela, parce que ça va aussi jouer un rôle au niveau donc du coût du kilowattheure qui serait proposé. Puisque si, par exemple, il y a des facilités et aussi donc des éléments qui vont aider l'investisseur dans ce domaine-là, va avoir des répercussions positives sur le coût du kilowattheure qui sera proposé. Donc en clair, il faut accélérer aujourd'hui ce processus pour commencer la réalisation et l'exploitation. Mais vous avez déjà ces annonces qui sont faites aujourd'hui par le ministre de la Transition énergétique qui annonce que l'énergie électrique qui sera produite à partir des stations sera injectée dans le réseau national avant et permettra bien sûr à l'investisseur à l'avenir d'avoir une relation commerciale avec son Sonelgaz à travers sa filiale SADEC ou avec l'opérateur système. Donc il faut tout faire en même temps de telle sorte à booster cet investissement des renouvelables. Monsieur Boukhal Fayessi, c'est-à-dire adapter les textes, mettre en place une mise à niveau de la législation pour tout accélérer rapidement en horizon 2023. D'abord, il y a le fait qu'aujourd'hui, on sait qui va être l'acheteur. Donc, ce sera Sonelgaz Distribution. C'est celle qui a remplacé la SADEC. Donc, ça, c'est le contrat va être signé entre l'investisseur et Sonelgaz Distribution. Ensuite, si par exemple, je reprends le cas des discussions qui a eu lieu hier dans le cadre du forum Algéro-Italien, dans lequel, au niveau de la table ronde qui concernait la transition énergétique des énergies renouvelables, on peut constater que les attentes des investisseurs internationaux étaient très claires, c'est-à-dire qu'ils attendaient qu'il y ait une législation adaptée qui doit être mise en place pour pouvoir permettre à ces investissements de venir s'installer chez nous. Et puis je pense qu'on doit aussi revoir la forme avec laquelle ces investisseurs vont être
vont participer dans le développement des énergies renouvelables en Algérie, à l'image de ce qui a été fait par exemple pour la loi des hydrocarbures, avec des facilités beaucoup plus attrayantes, parce que il y a quand même l'Europe aujourd'hui est dans une position délicate pour assurer sa sécurité énergétique. Voilà, pour assurer sa sécurité énergétique, et aujourd'hui elle cherche par tous les moyens de nouvelles sources d'énergie. Donc le gaz comme première priorité est sur la table, puisque c'est ce qui a été déjà annoncé hier, et puis pour un projet de 4 milliards de dollars. Et donc la seconde c'est surtout le passage aux énergies renouvelables, la production d'hydrogène vert pour pouvoir donc pallier pour couvrir leurs besoins. Et surtout, je pense que l'idée maintenant de l'Union européenne, c'est de sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Alors justement, mais également, c'est un des projets prioritaires du président de la République, qui lui-même a annoncé la réalisation du câble souterrain pour bien sûr exporter l'électricité via les renouvelables et aussi le conventionnel. Mais aujourd'hui, la question de sécurité énergétique est devenue primordiale. C'est une opportunité, une aubaine pour l'Algérie pour s'installer durablement au niveau du continent européen et bien sûr via l'Italie, desservir les autres pays qui se positionnent. Vous avez la Turquie, vous avez aussi d'autres pays qui sont demandeurs aujourd'hui d'énergie. Il s'agit d'abord d'un câble sous-marin. Ah oui, pardon. Ah oui, excusez-moi, donc, je le dis tout le temps. C'est un câble sous-marin. Voilà, donc il s'agit d'un câble sous-marin. Et donc la logique, c'est de travailler sur les deux dossiers. Le câble pour donc exporter de l'énergie conventionnelle et celle des énergies renouvelables. Et puis un petit peu des pipelines pour le transport de l'hydrogène. Je pense que l'Europe va chercher à encore augmenter son indépendance énergétique dans ce domaine-là. Donc nous, en tant que pays qui a les potentialités les plus importantes pour pouvoir alimenter l'Europe, donc nous sommes en bonne position. Seulement, il ne faut pas perdre trop de temps à tergiverser. Il faut donc prendre les décisions nécessaires. Il faut donc amender, si c'est nécessaire, notre réglementation. Il faut aussi mettre en place les systèmes, les mécanismes de financement qui vont permettre à ces investisseurs de venir s'installer chez nous. Et en contrepartie, donc, on doit aussi être très regardant sur la délocalisation et aussi la création de postes d'emploi, la mise à niveau de notre recherche et développement. Il y a énormément de choses à faire, parce que les projets sont énormes, ce sont des milliards d'euros donc qui pourront être injectés dans cette partie-là, et on ne doit pas louper cette chance-là. Mais quelle réglementation revoir aujourd'hui, puisqu'on parle de la loi sur l'électricité, celle adoptée en 2002 avait prévu tous ces scénarios? Je pense que le 2002, d'abord, elle avait eu tard de ne pas avoir eu tous les décrets d'application qui auraient permis sa mise en œuvre de manière très importante. Maintenant, il y a aussi l'idée d'avoir une nouvelle loi sur la transition énergétique, et je pense que ce serait l'occasion aussi d'injecter tous ces nouveaux éléments dans cette nouvelle loi. Mais quand vous parlez d'une loi sur la transition énergétique, qu'est-ce qu'elle devrait comprendre? Par exemple, injecter la production sur le réseau de Sonelgaz. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quels sont les aspects dont il faut tenir compte aujourd'hui? Puisqu'on a vu que dans le domaine de l'énergie, il y a un bouleversement total au niveau mondial. Tout a changé. Même les négociations se font d'état à état. Et même si vous prenez cet aspect d'hydrogène vert ou quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait une réglementation adaptée, puisque chez nous, c'est considéré comme un produit dangereux. Et dans ces conditions, il faut avoir, par exemple, énormément d'autorisations pour le faire. Donc là, on doit l'adapter pour pouvoir donc permettre à ces entreprises de pouvoir le produire. Ensuite, il y a les aspects réglementaires liés aussi à l'utilisation, par exemple, des eaux usées au lieu, par exemple, d'utiliser de l'eau que dans notre pays a besoin. L'AOP, connaissant aussi le fait que nous sommes un pays désertique, donc nous allons avoir énormément de soucis de ce côté-là. Donc on a besoin aussi de regarder ces aspects-là pour permettre d'explorer toutes les potentialités pour que la production d'énergie verte, telle que l'hydrogène, puisse être bénéfique pour le pays. En clair, mettre tout à notre
notre avantage. Alors, monsieur Yessi Boukhalfa, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, puisque c'est une opportunité importante qui s'offre à nous pour pouvoir nous installer durablement au niveau du continent européen et devenir et maintenir notre position de leader énergétique au niveau de la région. Nous savons que l'Italie est le troisième producteur européen en producteur et consommateur européen en énergie renouvelable. Il veut devenir le hub pour l'Europe. Cela ne pourrait se faire qu'avec l'Algérie aujourd'hui, monsieur Boukhalfa Yessi, puisqu'il y a des indicateurs aujourd'hui chiffrés qui donnent avec précision le niveau de la consommation des Italiens des énergies renouvelables. Ben, tout à fait. Aujourd'hui, l'Italie est un des pays leaders dans ce domaine-là. Donc, au niveau de l'Europe. Donc le gros aussi de leur production d'énergie aussi provient des énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité et aussi le photovoltaïque et l'éolien. Donc ils aspirent aussi à augmenter la part des énergies renouvelables dans la perspective d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc ce qui va leur permettre aussi donc, de répondre aux exigences de l'Union européenne et aussi de l'accord de Paris, comme vous le savez. Mais donc, pour la neutralité carbone, ils ont réduit même les délais à 2040. Ils veulent atteindre cet objectif. Effectivement. Donc c'est ce qu'ils ont déclaré. Voilà, exactement. Donc les délais qui étaient affichés en 2050 sont devenus maintenant en 2040. Et même hier, certaines entreprises italiennes ont présenté leurs perspectives. Maintenant, ils tablent même sur 2035. Donc on voit qu'il y a un rapprochement encore plus rapide pour aller vers cette neutralité carbone. Le prix du gaz actuel a bousculé toutes les tendances. Et ils ne peuvent le faire qu'en utilisant les énergies renouvelables. La problématique européenne, elle est connue. Il y a une forte densité de population. Il n'y a pas suffisamment d'espace donc, pour mettre les panneaux solaires et les éoliennes. Donc, les pays qui sont aujourd'hui les plus indiqués, c'est les pays de l'Afrique du Nord et l'Algérie. Donc là, il y a une véritable opportunité. Et surtout, sachant que l'Europe aujourd'hui a mis sur la table 100 milliards de dollars pour le développement de ces aspects-là, donc liés à l'hydrogène vert, et dans lequel donc, on a tout intérêt à capter une partie de ces investissements en Algérie, puisque quand même 70%, c'est-à-dire que 70 milliards seront consacrés uniquement à l'hydrogène vert et aux infrastructures qui vont aller avec ça. Et donc, il y a énormément d'entreprises italiennes, et hier, elles ont fait la mention, donc qui ont proposé des projets, et notre pays doit se positionner rapidement sur ces aspects-là et commencer à travailler pour pouvoir donc capter ces investissements-là. Mais en chiffres, en indicateurs, c'est-à-dire en statistiques, est-ce qu'on a, par exemple, le niveau de consommation des Italiens par rapport aux renouvelables? Monsieur Boukhalfa Yessi, puisque j'ai vu que vous avez quelques chiffres. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de ce qui est donc le produit et consommé, c'est pratiquement 40%, c'est pratiquement de l'hydroélectricité. Il y a l'Italie aujourd'hui est sur une base d'installation autour de 1 gigawatt par année, et elle va passer à 10 gigawatts pour pouvoir donc atteindre cette neutralité carbone. Donc il y a énormément donc de besoins à satisfaire. Et puis il faut pas aussi oublier que même en Algérie, on a dans le domaine du solaire et principalement dans le domaine des onduleurs, il y a quand même un partenariat qui a été signé en décembre dernier entre la société ENI Electronics de Sidi Blaabbès et la société Fimer pour produire les onduleurs chez nous. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on constate quand même qu'il y a des retards dans la mise en œuvre de ce projet, parce qu'il va venir aussi compléter l'offre industrielle locale en termes de panneaux solaires, de structures, de transformateurs, de câbles. Donc, si on ajoute encore les onduleurs, donc cela nous fera une grande partie qui sera produite localement. Mais on voit aussi, on constate que les politiques s'adaptent en fonction des prix du gaz pratiqué actuellement, qui a bousculé toutes les prévisions et les statistiques. Mais nous avons aussi une autre offre qui est formulée aujourd'hui par les Italiens, dont il faudrait peut-être prendre des parts, c'est qu'ils proposent de venir produire dans notre pays l'hydrogène vert. Cela doit se faire via un partenariat avec les entreprises, que ce soit publiques,
Je veux dire les entreprises nationales. Voilà. Tout à fait, pour ne pas dire public ou privé. Oui, c'est des entreprises algériennes. Donc, effectivement, donc maintenant, la tendance des Européens, c'est surtout aussi de trouver les meilleurs endroits et de choisir les meilleurs endroits pour la production d'hydrogène. Assurer leur sécurité. Voilà, donc il y a donc énormément de propositions d'investissement qui sont formulées. Aussi bien dans le cadre de partenaires entre Eni et l'Italien et Sonatrach, mais aussi avec des partenaires d'autres parties qui souhaitent aussi investir en Algérie. Et donc là aussi, on a une opportunité importante. Et cela ne peut se faire que si, bien sûr, on prend en compte la nécessité de construire un partenariat algéro et italien dans ce domaine-là et de pouvoir donc aussi bénéficier de transferts de technologies et surtout aussi pousser pour que la recherche et le développement puisse s'impliquer dans ce domaine-là. En clair, favoriser l'intégration locale pour ne pas faire ce qui s'est produit par le passé avec l'automobile du SKD et CKD. Tout à fait. Et ce sont quand même des projets de longue haleine. Donc, c'est pour atteindre cette neutralité carbone, donc 2040 et 2050. Donc, nous devons aussi nous inscrire dans cette logique-là. N'oublions pas que nous avons aussi nos objectifs vis-à-vis de l'accord de Paris, dans lequel l'Algérie s'était engagée à réduire de 7% donc, ses émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur de l'énergie est un des secteurs les plus importants qui pourraient facilement être décarbonés en ayant par exemple le recours ou en utilisant les énergies renouvelables. Même le gaz a bien sûr de l'avenir devant lui, puisque nous avons aussi réalisé un contrat équivalent à 4 milliards de dollars avec les différents partenaires européens pour alimenter bien sûr l'Italie via et l'Europe par conséquence. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé il y a quelques instants, monsieur Bouhalfaye, ici, par rapport bien sûr aux projections de l'Europe. Nous savons qu'ils vont injecter l'équivalent de 100 milliards d'euros pour les renouvelables, dans 70 milliards en hydrogène vert. Comment prendre aujourd'hui des parts concrètes de ce marché, au-delà bien sûr des aspects contractuels d'État à État, mais comment nos entreprises pourraient avoir une part au niveau bien sûr de ce montant important qui va être injecté ou qui est injecté pour les prochaines années? Très simple, madame. Si vous prenez par exemple pour la production d'hydrogène, pour donc chaque tonne que vous allez produire, donc vous allez avoir besoin d'avoir une énergie verte à sa source. Et l'énergie verte qui pourrait être produite, c'est soit du solaire, soit de l'éolien. Donc ici, nous avons déjà des capacités dans le domaine du solaire photovoltaïque en termes industriels. Donc on a tout intérêt à ce que les capacités locales disponibles dans le domaine par exemple du solaire photovoltaïque puissent être utilisées. Et quand on voit aussi les projections en termes de capacités dont on aurait besoin, c'est-à-dire qu'on parle à peu près de 47 à 50 gigawatts, alors que le programme algérien, lui, parle de 15 gigawatts, donc on voit tout de suite le potentiel pour pouvoir donc localiser en Algérie et donc injecter du contenu local, principalement en produits, mais aussi en services. Et c'est pour ça que je profite de cette occasion pour dire que le Solar 1000 et ce programme des 15 000 MW est une véritable aubaine pour les entreprises, pour qu'elles puissent apprendre et être beaucoup plus compétitives dans les années à venir. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que même si le potentiel tel qu'il a été exprimé est important en Algérie, nous allons être en compétition avec d'autres pays de la région. Et donc nous devons être très compétitifs au niveau donc du kilowattheure et au niveau donc de la tonne, par exemple, d'hydrogène que l'on va pouvoir produire. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Alors pour être compétitif aussi par rapport à la fabrication des éléments entrant dans bien sûr la production des renouvelables aujourd'hui, comme par exemple les panneaux photovoltaïques, monsieur Bouhalfaye ici, parce que si je reprends un peu la déclaration du professeur Chemseddine Chitour, l'Algérie est une pile à ciel ouvert. Est-ce qu'il faut favoriser en priorité le solaire?
ou alors ben, tout exploité. Mais je pense que nous avons donc une tradition concernant le solaire photovoltaïque. C'est quelque chose... On a commencé il y a quelques années déjà, voilà, les années 80. Voilà, il y a une base industrielle, il y a une base liée aux services. Donc ça, il faut l'améliorer pour pouvoir donc être beaucoup plus compétitif. Il y a quand même des intentions aussi d'investissement qui ont été exprimées aussi par les entreprises algériennes sur des projets de l'ordre à peu près de 500 à 800 mégawatts qui sont donc dans le pipeline pour pouvoir donc être mis en place dès que le programme du premier 1000 MW va commencer à être installé. Dès 2023. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Après, il faut qu'on discute aussi peut-être d'état à état pour permettre à notre pays de bénéficier d'un transfert de technologie, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'Europe, elle a des besoins importants en énergie renouvelable, mais aussi l'Afrique, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que l'Afrique, c'est un pays dont les besoins sont absolument énormes et donc pour lequel la zone africaine de libre-échange va nous offrir aussi cette possibilité. Et bien sûr, lorsqu'on s'inscrit dans une logique de satisfaire le marché national et de pouvoir aussi aller à l'export. Donc assurer notre sécurité énergétique aussi par la même opportunité et bien sûr favoriser le gaz pour l'exportation puisque les prix sont au plus haut actuellement sur les marchés internationaux. Mais parallèlement à cela, est-ce qu'il va falloir un peu s'orienter? Par exemple, on a vu l'appel d'offres qui a été lancé pour les 1000 MW puisque c'est un projet de 15 000 MW à horizon 2035. Chaque année, il y aura 1000 MW. Il y a certaines localités qui ont été choisies. Est-ce que pour les prochains appels d'offres, il va falloir étendre plutôt ces appels d'offres à d'autres régions également qui ont de fortes potentialités? Bien sûr, je pense que ça c'est le premier donc du premier 1000 MW donc qui a été tracé sur la base au niveau de 5 wilayas. Déjà avant cela, donc le Chems avait parlé déjà de 11 wilayas qui étaient déjà prête pour recevoir d'autres projets. Donc ça veut dire qu'il y a probablement d'autres wilayas candidates qui vont bénéficier. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que nous, au sein de notre cluster, donc nous faisons aussi la promotion de la formation professionnelle. Et donc nous avons essayé aussi avec le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel donc de proposer un programme de formation pour des formateurs. Et nous souhaitons vraiment que ce programme-là puisse être déployé rapidement parce que la rentrée de la formation professionnelle s'effectue au mois de février. On voudrait déjà... Il y a deux sessions, non. Il y a celle de septembre et il y a celle de février. Il y a deux sessions. Nous, on se base un peu pour être prêt au cours de la session de février 2023 avec une première cohorte donc, de techniciens et de techniciens supérieurs spécialisés pour rejoindre ces entreprises qui vont faire de la réalisation et par la suite de l'entretien et de la maintenance. Et donc vraiment, nous avons déjà proposé le projet au niveau du ministère de la formation professionnelle et aussi au niveau du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Et nous pensons que c'est un des leviers qui va permettre d'assurer une bonne formation à nos jeunes et pour que les jeunes qui viendraient de ces wilayas trouveraient rapidement un emploi. Et bien sûr, pour les premiers 1000 MW, ça concerne, quand j'ai parlé de l'appel d'offres, ça concerne les wilayas de Bachar, Ouergla, Alouette, Gourte et Larouat, dans un premier temps. Alors, vous avez parlé un peu de la formation, il va falloir un peu l'adapter, il faut accélérer ce processus impérativement pour accompagner cette dynamique, puisqu'on parle des premiers 1000 MW, ça va générer l'équivalent de 5000 emplois directs, les emplois indirects également, c'est aussi conséquent. C'est aussi important. Bien sûr, à peu près c'est 10 fois plus. Je voudrais peut-être juste aussi insister sur le fait que chaque fois que nous prenons du retard dans la mise en œuvre de ce programme des 15 000 MW, cela a aussi un effet négatif au niveau donc des économies de gaz naturel. N'oublions pas que le 1000 MW là, c'est à peu près
presque 500 millions de mètres cubes de gaz économisé par année. Or, aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher du gaz. Et un des moyens de pouvoir donc faire des économies, c'est vraiment d'aller vers les énergies renouvelables et surtout de faire aussi la promotion de l'efficacité énergétique. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que même si aujourd'hui il y a une aubaine importante pour l'Algérie concernant le gaz naturel, il faut être quand même réaliste et il faut donc s'attendre à ce que dans les années à venir, peut-être autour de 2035, un changement aussi radical au niveau donc de la consommation. Et les Européens l'annoncent clairement, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers tout ce qui concerne les énergies qui ne sont pas carbonées. Et donc, parmi ces énergies-là, du pétrole, le gaz et le charbon. Et donc, nous devons profiter de cette embellie aujourd'hui pour aussi nous inscrire dans une logique de la transition énergétique réelle et non pas, c'est-à-dire que profiter du fait que les prix du baril sont très hauts pour revenir aux anciennes pratiques qui consistaient à ne rien faire et attendre que la situation empire dans les années à venir. Et déjà, on annonce la disparition à horizon 2023 des carburants polluants, comme par exemple le GPL. Quand on parle aujourd'hui de l'attractivité, il va falloir aussi discuter du prix du kilowattheure maintenant pour être compétitif sur les marchés internationaux. C'est les questions qui fâchent. C'est comme le baril du pétrole, c'est-à-dire qu'ils font l'objet d'une offre et de la demande, et donc le kilowattheure, c'est aussi lui, il va être un élément déterminant important pour l'attractivité. Et si vous êtes compétitif, les gens viendront acheter le kilowattheure d'énergie verte qui sera produit en Algérie. Si on n'est pas compétitif, ils iront aller l'acheter ailleurs. Ça, c'est la loi du marché. Alors, comme dit l'anecdote, c'est-à-dire le dicton plutôt, à tout malheur, quelque chose est bon. Cette crise énergétique mondiale, c'est une aubaine, une opportunité pour l'Algérie pour tout bouleverser dans sa production et par rapport à sa consommation également. Bien sûr, et on le voit pertinemment que nous avons des opportunités importantes. Mais tout le monde tape à la porte de l'Algérie aujourd'hui. Mais on ne doit pas attendre, on doit aussi être offensif dans ce domaine-là et que le pays puisse aussi annoncer une politique dans le domaine des énergies renouvelables. Pour l'agriculture, par exemple, Par exemple, l'agriculture, on parle de 400 000 hectares aujourd'hui. Donc, l'éclairage public. Qui n'ont pas d'énergie et donc qui attendent la mise en place de l'énergie du type énergie renouvelable, l'éclairage public intelligent, parce qu'il faut sortir de l'éclairage public traditionnel. Où on appuie sur le bouton pour fermer l'électricité. Maintenant, il y a toute la partie de la digitalisation du secteur là qui impliquer doit aussi les start-up être... Voilà, qui doit être aussi... Donc il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, ce que nous manque, c'est le temps. Et on ne doit pas encore attendre, parce que n'oublions pas que les 15 000 mégawatts, c'était déjà dans le programme de 2020. Et donc, 2020, on n'a pas eu les 1000 mégawatts. 2021, on n'a pas eu les 1000 mégawatts. Et on ne va pas encore avoir 1000 mégawatts en 2022. Donc, ça veut dire que là aussi, on est en train de prendre du retard dans ce domaine-là. Et on ne peut pas vraiment se le permettre. Et ce retard profite parfois à d'autres. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui par rapport à cette intégration locale. Vous avez parlé de l'aspect lié à la formation, mais comment les entreprises devraient se mettre à niveau de telle sorte à être aussi compétitives sur les marchés internationaux? Est-ce qu'ils doivent suivre un peu la voie de Sonel Gaz ou alors il y a des entreprises qui pourraient émerger comme étant des leaders dans les renouvelables? Pour pouvoir donc que les entreprises puissent être compétitives, il faut qu'il y ait un marché pérenne et qui fonctionne pendant plusieurs années. Et avec bien sûr, un marché local. Un marché local déjà, parce que c'est un peu une sorte de matelas qui va assurer à ces entreprises donc de travailler, de gagner en expérience et d'apprendre avec les projets en cours. Ensuite, il faut injecter à chaque fois des doses d'innovation dans ce domaine-là pour permettre que les améliorations puissent voir le jour pour pouvoir donc réduire par exemple le coût de production de l'électricité. Et puis donc à un moment donné, le partenariat aussi
est un des moyens qui va permettre d'aller vite dans ce domaine-là. Parce que quand vous présentez un plan de 15 000 MW ou bien 45 000 MW d'énergie renouvelable, il y a quand même énormément d'entreprises internationales qui seraient intéressées pour venir produire localement. N'oublions pas que nous sommes aussi liés avec l'accord d'association avec l'Union européenne, mais aussi la ZLECAF, et dans lequel donc il n'y a plus de droits de douane. Et donc ça veut dire que si on peut produire des panneaux solaires ou des éoliennes et que nous sommes compétitifs, ben donc le marché européen est à nos côtés, mais aussi le marché de toute l'Afrique. Voilà, j'allais vous poser la question, exporter vers l'Europe, c'est une opportunité, mais exporter vers l'Afrique aussi, c'est une autre opportunité. C'est une autre opportunité parce que quand même... Parce qu'il y a la proximité également. Mais les besoins aussi sont beaucoup plus énormes. C'est-à-dire qu'en Afrique, puisqu'on dit quand même qu'en 2050, ce sera donc le continent qui va avoir la plus forte croissance à l'échelle mondiale. Et on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs, de grands acteurs qui sont en train de s'installer, à l'exemple de la Chine, de la Turquie. Ou bien des anciens pays. Vous avez toutes, voilà, les anciennes colonies. Voilà. Et voilà, donc vous avez la Russie également. Voilà, nous avons donc une opportunité et on doit donc avoir de la visibilité, un plan solide et surtout une planification rigoureuse dans ce domaine-là. Il doit y avoir un plan prioritaire au niveau du gouvernement qui doit être mis en place pour booster, bien sûr, l'exploitation de l'énergie à tous les niveaux. Bien sûr, il y a le gaz et le pétrole, il y a des traditions aujourd'hui, le renouvelable également, une partie importante qui doit être mise sur le marché, monsieur Bourhalfaï, ici, puisque vous dites aujourd'hui, le temps nous est compté. Ben, Il faut faire vite, très vite, nous est compté, et surtout nous sommes dans un espace où la compétition va très devenir de plus en plus rude, et donc c'est uniquement les plus forts qui vont pouvoir maintenir leur position, bien acquérir de nouvelles positions. On l'a vu dans le cas, par exemple, du GNL avec le Qatar, qui s'est donc incrusté en Europe. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va aussi voir énormément au niveau, par exemple, des énergies renouvelables. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé de l'hydrogène vert qui nécessite énormément de consommation d'eau, avec la nappe phréatique, la plus grande au monde, pourrons-nous être le premier producteur au monde? Bon, on ne va pas consommer toute la nappe. Non. La nappe doit nous nourrir aussi pour l'agriculture, mais une partie de la nappe, est-ce qu'elle pourrait être versée, ou alors il va falloir faire des études très... Je pense que deux voies aujourd'hui seront explorées. C'est principalement à partir du dessalement d'eau de mer. Donc ça, c'est la première voie qui sera explorée. Et puis, le deuxième, c'est tout ce qui concerne les eaux usées. C'est-à-dire que notre pays... Le recyclage. Voilà, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas donc de l'eau. L'AOP. De l'eau donc qui proviendrait du traitement et ça donc c'est une des opportunités aussi puisque dans beaucoup de pays le traitement de cette eau là elle est destinée à l'agriculture. Chez nous il y a quand même la réticence des agriculteurs à l'utiliser, donc on peut très bien explorer cette possibilité pour en faire la matière première pour la production d'hydrogène vert chez nous. Donc il faut des politiques intégrées. Si on utilise bien sûr le dessalement, cela veut dire qu'on veut rapprocher la fabrication du câble souterrain via bien sûr Alger-Naples. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur une autre question qui est posée par l'auditeur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser éventuellement qu'il pourrait y avoir des start-up qui pourraient émerger dans ce domaine-là pour bien sûr une rationalisation, une utilisation, c'est-à-dire intelligente de l'électricité? Parce qu'on parle aussi de la consommation d'énergie et certains considèrent que nous gaspillons énormément par rapport au prix qui reste très attractif. Ben, une des même s'il n'est pas remis en cause. Hein, pour que une des actions par lesquelles nous essayons de travailler, c'est surtout amener les startups à travailler sur la partie, par exemple, du monitoring. Aujourd'hui, par exemple... L'efficacité énergétique. Voilà, si on veut faire de l'efficacité énergétique en Algérie chez nous, et si on veut faire un usage...
efficient de l'énergie, nous devons d'abord connaître le comportement de nos consommateurs. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations concernant le moment où ils consomment le plus, quels sont les différents équipements électroménagers qui sont les plus utilisés par les Algériens. L'énergivore. Et aussi les différentes parties du pays qui utilisent telle ou telle partie. Et donc, on a besoin de cette connaissance et ça, les startups peuvent nous aider à construire des équipements pour, par exemple, la mesure et le transfert des données à distance. Alors, justement, par rapport à cette efficacité énergétique, vous avez dans certains pays où il y a, par exemple, des clignotants qui apparaissent au niveau des téléviseurs pour demander à peut-être baisser la consommation ou éteindre certaines lampes quand on n'occupe pas un espace. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette autre question de l'auditeur, la dernière, monsieur Yessi Bouhelfa. Si on exploite aujourd'hui les 15 000 mégawatts, quelles sont les projections, c'est-à-dire en matière, parce qu'on a besoin de statistiques, on a besoin de visibilité, en matière d'emplois qui seront créés directs et indirects, et puis la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? On parle de 100 milliards de dollars, d'euros qui vont être injectés en Europe. Combien, nous, on pourrait injecter et avoir en retour? Puisque même pour les hydrocarbures, on parle de recettes équivalentes à peut-être cette année 35 milliards de dollars en augmentation, 15 milliards de dollars. Déjà, des projections. Vous avez déjà des économies au niveau du gaz naturel. Donc, si vous multipliez un demi-milliard sur 1000 mégawatts durant 25 ans, pour déjà rien que le premier 1000, et que le premier 1000, vous allez encore le multiplier par 15. Donc, vous allez voir que quand même, ce sont des milliards de mètres cubes de gaz qu'on en pourra économiser et exporter. Et le gaz, c'est de l'argent. Monsieur Bouhelfa ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.